Bonjour Martin, BMW série 5. Série 5, oui. Et Pablo, si tu as envie aussi, hein, c'est comme okay. Tu veux. Ok, parfait. Uniquement un peu d'explication, comme tu peux voir, c'est un voiture confortable, non? C'est très grand, et, mais très moderne aussi. Il y a une indication que ce n'est pas normal, c'est une indication digitale que tu peux changer si la conduction ouais. Et le confort. Ou par exemple la conduction sportive, ouais. Tu peux voir qu'on change et tu peux utiliser ça pour changer toute la possibilité, non? Ça c'est automatique de double embrayage, je ne sais pas comment dire double embrayage, que c'est le typique de la forme de chance sportive de BMW. Allez, alors nous commençons la sortie. C'est un bateau très grand, et alors c'est... Me cacher, ça veut dire... La condition... Caméra de recul... Oui. Il y a beaucoup d'indications pour voir que tu es un tour. Hein? Ouais. Il y a des caméras, ouais. Il y a des sons aussi. Ouais. Alors si pour toi est bien, nous commençons avec la conduction confort. Ouais. Ok. Ouais, et ok. Et après ça, un moment de conduction sportive aussi. Ok. Pour... Ouais, ok. Parce que ça c'est un voiture de famille. Alors un voiture pour le confort. Non, mais tu ne peux pas oublier que c'est un BMW. Et alors, un voiture pour la conduction sportive aussi. Oui. Alors Martin, qu'est-ce que tu penses de la conduction de confort? C'est confortable cette voiture? C'est confortable. Boîte automatique. Oui. Parce que tu peux voir que il y a rien de problème avec le chance avec le changement de vitesse. De son à l'intérieur, hein? C'est ouais. La sonorisation est très bon. Tu n'écoutes rien de l'extérieur. Ouais. Et c'est hyper confortable aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et grand EPS, typique BM. C'est. Et avec un bon. Indication de tout, non? Avec un bon son radio. Radio, oui. Alors, nous changeons à la conduction sportive. Ouais. Tu peux voir ouais. Que tout est branché. Oui. Pour dire que c'est sportif. Et sans la suspension, sans celle. Alors, nous commençons.
s'appelle en route pour faire un conditionnement sportif, parce que muy buen coche, c'est très agréable la conduction pour la famille, mais je vais en conduction un peu plus. Donc si tu veux faire demi-tour, tu tournes sur le béton ici. Ah non, non, mais nous continuons. Si tu en reprends. Nous continuons, non, mais pour faire ça, nous changeons notre fois à la conduction éco. Éco, en ce moment, c'est pour utiliser la... Consommer moins. Les minimums de combustible, de... Carburant. De carburant, tu dis ? Mais... la caméra, mais c'est vraiment un beau bruit. C'est pas possible la conduction sportive avec deux vélos. Juste un. Mais si tout est fait, je peux continuer. Je fais un coupe. Non. C'est le moment. C'est le moment. Si no se pone en el medio, sí, sí. Moi, je suis très confortablement à le frein à main et automatique. Magnifique. Muchísimas gracias. Eh bien, j'espère. Ah oui, et il y a le start and stop. Aussi. C'est très agréable, hein, la caméra de recul. Oui, oui, oui. C'est plus facile. Attention que tu as un piquet d'éclairage. Je vois que tu le cognes avec ta porte. Ici? Oui. C'est pour la porte, c'est pas pour le piquet. C'est pour... Pas de problème, il est derrière peut-être. Ah, si c'est derrière, oui. Le moteur. Okay. Oui. J'arrête de place. Très bien. C'est un privilège, Martin. Oui. Oui. Et là, c'est de l'aide. C'est tout de l'aide. Oui, c'est possible. Ouais. Il y a une bonne présentation de tout, c'est très facile de voir. Ouais. Et... Oui. Non, j'aime beaucoup la conduction de cette voiture. Et là, vous avez un rangement.